Et d'ailleurs, il y avait près de 15 000 personnes réunies au centre-ville de Montréal cet après-midi pour réclamer du gouvernement canadien de condamner la situation actuelle dans la bande de Gaza. Et plusieurs ont de la famille là-bas ou se sentent vraiment personnellement concernés par la situation. Je vous invite à écouter quelques réactions. Il y a des milliers d'enfants qui sont morts en Palestine. Il y a des milliers de femmes qui sont mortes en Palestine. Il y a des milliers de gens qui sont pris, qui sont mis en Israël. Ça s'appelle de la liberté, ça! Ça, c'est pas de la liberté! On était là, on a ignoré notre existence depuis 1895. On a dirigé tous les moyens du monde pour nous effacer. Canada est encore complice. Canada donne encore nos taxes. Canada est encore en train de supply les armes, les bombes qui sont en train de tomber sur ma famille, sur les gens innocents à Gaza. On veut que vous condamnez l'Israël pour ce qu'ils sont en train de faire. On nous demande toujours de condamner Hamas, mais est-ce que vous condamnez Israël? L'Israël sont en train d'assassiner le peuple palestinien depuis 1947. C'est un génocide. Et on ne peut pas être complice de ça. Et malgré la pluie, vous le voyez, ça n'a pas découragé ces manifestants qui continuent de prendre les rues d'assaut de la métropole et qui espèrent être finalement entendus. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.